Si tu veux monter un opéra, il faut que ça soit un petit peu carré, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, Norbert, et si tu montais ton opéra pour dans 2 ans? Ouais, comme ça, je me suis dit, Norbert, tu pourrais faire un tour de France pour présenter la maquette de ton opéra. Voilà. Regarde les canards qui pataugent dans la mare, comme ils sont contents. Mais pourquoi les gens sont-ils si méchants? Et là, c'est la scène de l'envol. Ouais, c'est... Donc, vous prenez le matériel, vous le posez au même endroit que vous l'avez. Ce que l'on propose, c'est des ateliers qui sont juste derrière moi. Donc du hula hoop, du rouleau américain, de la boule équilibre, du funambule, enfin quelques ateliers. Vu qu'on ne peut pas déplacer notre cirque qui se trouve à Sydney. Voilà, c'est des animations où les enfants vont pouvoir passer un bon moment sur le week-end en fait. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, là, le mime, le cheval, le bruitage, c'était génial. Ouais, super. Et puis, ben, l'avantage, c'est que ça plaît aux enfants comme aux adultes, donc c'est un festival vraiment génial. J'ai adoré celui-là, j'ai trouvé ça vraiment très original et très, très drôle. La spontanéité, en fait, la réaction des comédiens. Le bruitage aussi, c'était vachement bien fait. Voilà. Ça correspondait bien à ce que faisait le mime.